Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Kinéformation. Aujourd'hui, nous accueillons un kinésithérapeute au parcours exceptionnel. Il est passé par Clairefontaine, par l'équipe de France 98 et par Chelsea. Nous accueillons aujourd'hui Thierry Laurent. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Merci beaucoup de prendre ce temps pour répondre aux questions de nos internautes. Ils avaient besoin d'un troisième kiné parce qu'à l'époque, en équipe de France, il y avait deux kinés et un ostéopathe. Donc, il m'avait pris pour le Tour de France en juin 97 dans l'optique de la Coupe du Monde. Et donc, à partir de janvier 98, j'y suis retourné jusqu'à la Coupe du Monde. Et après, j'y suis retourné pour l'Euro 2000 et je suis resté jusqu'au départ de Chelsea. C'est ma première grande expérience au haut niveau. Donc, mais l'ambiance a été magnifique. Et puis, mais évidemment, avec les résultats qui se sont enchaînés, bah, ça a été de mieux en mieux, et ça a transpiré dans le documentaire Les yeux dans les bleus. Et puis Chelsea, ils sont rapprochés de moi en janvier-février 2005. Donc j'étais à Clairefontaine, j'étais avec l'équipe de France. Et donc les joueurs qui évoluaient en Angleterre, à Chelsea, Arsenal, ils venaient à Clairefontaine se faire soigner. Le médecin à Chelsea, il s'est dit plutôt qu'ils partent en France se faire soigner, je vais ramener le kiné et comme ça, ils resteront au club. Pour avoir l'opportunité de travailler dans un grand club, je pense qu'il faut un peu de chance, c'est sûr. Il faut travailler, quoi.